Oui, je sais. Ici, c'est l'accueil. Ici, c'est quoi? Le bureau. Ah, ça, c'est ton bureau. Un petit peu. Donc là, c'est le bureau avec... Quand on arrive, c'est là qu'on fait les formalités. D'accord. On remplit les formalités. Pour ceux qui viennent pour la visite uniquement, on remplit uniquement les formalités. Ceux qui vont passer la nuit, je préfère les mettre à l'aise, ne pas les mettre sous pression comme si c'était dans un hôtel. Ils vont directement. Ils vont directement s'installer. C'est bien après qu'on va venir. Ouais, parce qu'on a commencé à l'accueil, mais on n'a pas fait ce qui se passe comme normalement. Ici, c'est le thème de la case patrimoniale. Architecture, pouvoir et cohésion sociale. Quel est le rôle de l'architecture dans la mise en place du royaume Batoufam? Vous voyez que c'est, le plan, c'est un labyrinthe. Donc, c'est justement l'importance du labyrinthe qu'on est en train de montrer. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit un labyrinthe? Quel est le rôle que ce labyrinthe a joué dans la mise en place de Batoufam? Là, c'est l'équipe de réalisation. En haut, les scientifiques et en bas, les financiers. Là-bas, c'est la géographie. Et là, c'est l'historique de la mise en place de la case patrimoniale. Avec les différents sites à passer après, historique depuis en 89, plus au pouvoir en 89 par le roi actuel, il a essayé d'ouvrir Batoufam au monde extérieur et à tout le monde. Premièrement, au Batoufam, mais au monde extérieur, il lève le mythe de la chefferie. Parce que quand on est tout petit, on sait toujours qu'on ne va pas à la chefferie. La chefferie, c'est un lieu sacré, c'est un lieu réservé à une catégorie de personnes, uniquement au chef et à ses notables. Mais lui, il lève ce mythe-là. Et en dehors de ça, il y a d'autres sites qu'on peut visiter dans le village, comme la première chefferie qui est le Kwa. Après le Kwa, il y a Kotop, il y a un parcours défini dans la forêt qui va à l'ancienne chefferie. Après le Kwa, il y a une autre chefferie au cœur de la forêt. Et Kotop, il y a la Forge. Et il y a d'autres randonnées qu'on peut organiser dans le village. Donc là, c'est la première cour, la cour des artisans. Alors, ici, c'est Ibrahim qui s'occupe de cette cour-ci. Comme il a dit tout à l'heure, vous allez revenir travailler avec lui. Là, c'est son atelier de sculpture, puisqu'il est sculpteur. Là, c'est son atelier de sculpture. Et ici, c'est la boutique où il expose les objets qu'il a sculptés. Deuxième cour. Là, c'est la deuxième cour, qui est la cour des réunions et des rassemblements. On dit que la chefferie n'appartient pas au chef, mais le chef est le gardien de la chefferie. La chefferie appartient à la population. Il faut que la population arrive à la chefferie, qu'elle puisse se reconnaître sans être toujours demander la permission. Majesté, est-ce que... Ah donc tout le monde, n'importe qui peut arriver ici et refaire une réunion. Quand il y a les salles de réunion, là c'est le côté des femmes. Toutes les femmes du village ont le droit de participer à ça. Il suffit simplement que tu t'inscrives, tu décides de suivre la réunion avec elle, tu viens. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'âge. Et là c'est le côté des hommes. Ici c'est l'histoire du royaume, qui est étroitement lié avec le royaume de Bangoua et le royaume de Batoufam. Là, ce sont les différents rois de Batoufam, du premier, le fondateur Nankap, au dernier Nayang, somme 14. Il y a la 14, ça c'est la 14e dynastie. Parmi eux, vous allez vous rendre compte que parmi eux, au niveau du 7e, il y a deux personnes. Parce qu'une personne n'a pas pu supporter les conditions de l'initiation et il a cédé la place à son frère. Ces conditions d'initiation sont rudes. Là, céder la place de son frère. À côté des différents rois, il y a les compagnons du roi fondateur. Parmi ces compagnons du roi fondateur, il y a trois fils du roi Bangoua. Là, pourquoi Bangoua? Parce que le fondateur de Batoufam était un anglophone qui part de Bali. Il va s'installer à Bangoua. Et de Bangoua, il est serviteur, il travaille. Les échos de son travail arrivent aux oreilles du chef. Comme tout ce qui est bien, c'est pour le chef. Le chef le récupère, il l'amène à la chefferie. Ils vont continuer à travailler ensemble au point où le chef va l'ennobler. Mais il commet une bêtise, c'est qu'il tombe amoureux de la première fille du chef et il ne lui dit pas.
Il commence à entretenir une relation avec la fille en cachette, malheureusement pour lui. Rien ne se cache à la chaufferie. Le chauffeur est au courant. On fait un conseil dans lequel il va être jugé et... Exclure la chauffeur. Non, pas exclu. La sanction, c'est la mort. Quand on décide qu'il doit mourir, il a deux solutions. Certaines personnes qui viennent lui dire, celles qui étaient attachées à lui, viennent lui dire, tu as deux solutions. Soit tu restes, tu attends que ton jugement ait lieu. Et Soit quand on tu applique fuis. la sanction, soit tu fuis. Il va vers la fille, il demande à la fille et lui s'entendent, ils ont décidé de Je fuis. partir. Il fuit. Donc cette fille est vénérée à Batoufam. Elle est honorée, elle est vénérée pour son courage et sa bravoure. Parce qu'elle a osé défier son père. Ah, c'était au début du, à la fin du 7e siècle, début du 18e siècle. Elle a osé dire non à son père pour suivre l'homme qu'elle aime, qu'elle aimait. Comment les filles battent comme ça? Bien sûr. Ici, ce sont les sociétés coutumières. Ce n'est pas les hosties des sociétés coutumières, mais c'est un ensemble. Ce sont les principales au cours desquelles gravitent les autres sociétés. Là, c'est la première cour intermédiaire. Ici, quand on regarde, si on ferme toutes ces portes, vous allez voir qu'il y a quatre portes autour de nous. Si on ferme ces portes, on ne sait pas quelle est la direction qu'on va prendre pour aller où. Si on te dit, va en bas, tu ne peux pas partir. Ça, c'est le rôle de la Birène. Parce que quand Nanka part de Bangwa, il fuit avec la femme, ils vont s'installer à Bandrefam. Le roi de Bandrefam l'accueille à bras ouverts. Et lui, il ne veut plus rester sous la domination de quelqu'un. Il commence à réfléchir comment faire pour avoir mon autonomie, mon indépendance. Le roi lui donne une concession qui est située au-dessus du lieu sacré. C'est d'où vient le nom de Batoufam. Enfin, au-dessus du lieu sacré, parce que la concession était en haut et le lieu sacré en bas. Ce sont les gens qui sont en haut du lieu sacré. On lui donne cette concession-là, il reste, il s'installe, il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est là qu'il met sur pied l'architecture de labyrinthe. Il construit beaucoup de maisons en désordre avec des portes assez basses. Un jour, il appelle les serviteurs de son nouveau roi, il leur dit, je suis arrivé chez vous, vous m'avez très bien accueilli, vous m'avez très bien reçu, je veux vous dire merci. Comme je suis personne pour inviter le roi, je ne peux pas venir, donc ce sont les serviteurs qui vont aller faire le compte rendu au roi. Il va... Il invite le. Ils viennent, il va leur faire, il leur fait une grosse réception. Après, il leur dit, il faut qu'on visite mon domaine. Les gens vont voir beaucoup de maisons avec. Il n'a pas d'hommes. Il a quelques hommes sous la main, mais il a construit beaucoup de maisons. Et le jour où il fait venir ces gens, il fait des foyers dans chacune de ces maisons. Mais là, quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez la fumée monter de toutes les maisons. On se dit, toutes ces maisons sont habitées. Donc quand ces gens ont vu, les serviteurs du roi Bandrefam ont vu, sachant que c'était un très bon guerrier, ils ont parti dire à leur chef que ce gars est devenu tellement puissant qu'on ne peut plus aller en guerre contre lui. C'est comme ça qu'il acquiert son autonomie. Pas avec les armes, mais juste avec la Son sagesse intelligence. et la base de l'architecture. Donc ça, c'est le rôle de l'architecture dans la mise en place. Ici, ce sont les chefs coutumiers. Ils ne sont pas forcément les chefs de quartier. Ceux-ci sont élus par démocratie. Quand un chef coutumier meurt, on va prendre ses suppléants dans le ville-quartier, on appelle la population qui va choisir qui sera le prochain chef coutumier. Là, ce sont les matériaux de construction, l'ensemble des matériaux de construction utilisés à Batoufam. À la base, c'est le bambou. Le bambou, pour celui qui a les moyens, parce qu'il y a toujours eu des riches et des pauvres. Celui qui avait les moyens d'appeler beaucoup de gens, leur faire à manger et pour qu'on puisse construire sa maison, il construisait une maison typiquement en bambou, parce qu'une maison en bambou a cinq couches. Deux couches horizontales, deux couches verticales et une couche qui est croisée pour pouvoir soutenir la base. La couche croisée est à l'intérieur. Celui qui n'a pas les moyens va faire une maison en semi-dur. On peut dire semi-dur en terre battue, comme on voit dans le sud, centre, est aujourd'hui. Ce n'est pas une spécificité de cette région-là. Ça vient aussi du village. Oui. Parce que ceux, tu fais le bambou et le reste, tu cherches la terre pour combler les vides, pour qu'on ne te voie pas de l'extérieur. Après, les Allemands sont venus avec la boue de terre. Tous les peuples de l'Ouest Cameroun ont adopté la boue de terre. Mais les Batoufam ont fait un petit plus. Ils ont crépi leur mur, comme vous voyez sur ce mur-là, à base de terre. Là, cette plaque, cette arbre, si je l'explique sur cette corde-ci. On sait que dans les royaumes, il y a beaucoup d'animaux sacrés. Les lions, les panthères, les éléphants, tous ces animaux qui sont symboles du pouvoir. Mais à Batoufam, au-dessus de tous ces gros animaux, il y a ces trois petits animaux. Ils sont tout petits.
on les néglige, on les tue, on les écrase, mais là, c'est l'araignée qui symbolise la divinité, la clairvoyance. Rien ne peut arriver sans que les dieux n'aient averti d'avance. La tortue symbolise la sagesse. Quand les dieux parlent, ce n'est pas tout le monde qui comprend le langage de des dieux. Donc, il faut un conseil de sages. Ce sont les sages qui vont lire et interpréter le langage de la mygale pour pouvoir transmettre à la population. Après, il y a le caméléon qui symbolise le changement, la capacité d'adaptation, la prudence, la tempérance. Dans la vie, un homme doit être capable de s'adapter à toutes les situations. Il ne doit pas être pressé. Et ce sont les qualités qu'on demande au chef d'avoir. Un chef ne doit jamais être pressé dans la décision qu'il doit prendre. Il faut qu'il puisse réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Te dire, s'il y a moyen de te dire, reviens demain pour que je puisse avoir la solution pour te donner. Et après, il y a la calebasse qui symbolise le service rendu. Les batoufames sont serviables. Quand tu arrives à batoufame, c'est que tu as soif de quelque chose. Il faut qu'en repartant du 7 soir, soit soif. Ça peut être que tu as faim. Que tu arrives ici, qu'on puisse te donner à manger, tu manges. Ça peut être que tu as soif, on te donne la boisson. Même que tu as soif de connaître l'histoire de batoufame, il faut qu'en partant d'ici, qu'on te donne cette histoire. Après, il y a ces quatre messieurs dans quatre postures. Un qui a fermé les yeux, l'autre qui ferme les oreilles, l'autre qui ferme la bouche et celui-là qui ferme, qui protège le sexe. Ça, c'est la leçon de vie. Dans la vie, il faut apprendre à regarder, mais ne pas chercher à tout voir. Écouter, mais ne pas tout entendre. Chercher toujours à être au courant de tout ce qui se passe derrière. Parce que quand l'œil a vu, la langue va parler. Quand l'oreille a entendu, la langue va parler. Et ce que la langue dit n'est pas toujours bien. Donc, parler, mais ne pas tout dire. Ah, c'est pour lutter contre la curiosité. Parce qu'en étant trop curieux, on peut se retrouver en train de faire du mal aux personnes qu'on aime comme aux autres personnes. Tu peux dire quelque chose, on écoute, on enferme ton frère. Ou bien on va l'exécuter juste à cause d'une parole que tu as prêtée. Ou bien tu es en train de parler, quelqu'un est passé, il était curieux, il s'est arrêté pour suivre ce qui se passait. Et le quatrième, c'est qu'il faut avoir de la pudeur. Il ne faut pas se balader, je ne veux pas de blesser la sensibilité. Bonsoir, ici c'est la cour des serviteurs. Les serviteurs se rassemblent ici une fois par semaine pour pouvoir décider qui va aider le chef à faire quoi ou quoi. Donc, le premier de la semaine à l'ouest à 8 jours. C'est pour cette raison que les jours de marché, les jours de la semaine de Bamiléké, les routes, parce que ce sont les jours de la semaine occidentale qui routent. Et le premier jour, les serviteurs se rassemblent ici, ils vont décider qui va faire quoi au chef. La deuxième chose, c'est la deuxième fonction, quand le chef va finir, parce qu'on n'a pas commencé la vaisseau au début, on a sauté la première partie. L'initiation ici dure à deux phases. Il y a la première phase qui est appelée l'akwang, et la deuxième phase qui est appelée l'akam. Le l'akwang dure 9 semaines. Ça se passe au lieu sacré à la sortie. Quand le chef sort du lieu sacré, il revient à la chefferie, il ne prend pas la route que nous avons prise, il va prendre cette ouverture-ci. Quand il entre là, il va faire ce qu'on appelle le premier geste au peuple. Il doit leur donner à manger. Cette nourriture constitue du haricot, de l'huile rouge, de la viande de chèvre. C'est quelque chose qui est chaque chose à part. Il va le mélanger et ce geste est appelé un geste d'union et de rassemblement. Et dans ce mortier-là, qui donne à manger à la population. Quand la population entre, ils vont entrer comme ça, ils prennent le repas là-bas et ils ressortent par cette porte. Lui, le chef, il ne ressort pas. Il continue. Attends. Ici, c'est parti. C'est la dualité entre le monde des vivants et des morts chez les Bamiléké. Parce que les Bamiléké sont tellement attachés à leurs ancêtres que tu ne vas pas les voir, aller demander, aller prier Dieu directement. Ils demandent toujours aux ancêtres d'intercéder pour eux auprès de Dieu pour que telle ou telle chose leur arrive. Donc les pointillés, ce sont les vivants. Les vides, ce sont les ancêtres. Et au centre, c'est Dieu. Quelle que soit la division de ce cercle, ça va revenir, ça sera la même chose. Donc c'est un cercle infernal. Et ils se disent que s'ils croient, s'ils font bien leur culte des ancêtres, s'ils croient à ce que les ancêtres leur disent, la vie va continuer sur la terre, ça ne va pas s'arrêter. D'où la continuité de la vie, les quatre coins cardinaux qui sont au bout, qui représentent la continuité de la vie sur la terre. Pourquoi le blanc et le bleu? Le blanc symbolise la pureté. Et le bleu, c'est l'eau. L'eau qui est le synonyme de la vie. Ici, c'est la même signification. Les vivants et les morts. Ça représente toujours les vivants et les morts et Dieu au centre. Mais ça, c'est autre chose, c'est la fécondité. Le sexe féminin qui représente la fécondité, c'est la femme qui est la mère de l'humanité, c'est la femme qui porte l'humanité. Et c'est pour ça que vous allez voir sur tous les peintres traditionnels, vous avez toujours ce losange. Mais on explique rarement
pourquoi est-ce qu'on représente ce losange-là? Parce qu'on se dit souvent que si on dit à la femme, elle va se prendre la tête et commencer à insolenter l'homme à la maison, qu'elle a une place très importante dans la société. Ici, c'est la cour des forgerons. La forge a joué un rôle très important à Bakifam et elle continue à jouer. Les forgerons ont aidé dans la mise en place de la conquête du royaume. Parce que malgré l'architecture que le roi Nankap avait conçue, avec les petites portes, les ennemis pouvaient venir chez eux, les tuer s'ils n'avaient pas d'armes. Donc ils ont fabriqué des armes et après les guerres, ils ont continué à utiliser la forge, mais à des fins utilitaires, pour faire le champ, des houes, des plantoirs. Ça, c'est une épée. Mais ce n'est pas une épée de guerre, c'est une épée rituelle. Elle est utilisée par des femmes notables. Ici, c'est une houe. Là, c'est une houe pour faire le champ. Ici, c'est une houe rituelle. Quand une femme meurt à Batoufam, soit le jour de la neuvaine, on va déposer ça sur sa tombe. Pour ceux qui ne déposent pas le jour de la neuvaine, ils vont attendre après le jour de la cérémonie du crâne, qu'on va retirer son crâne, on va déposer ça sur son crâne. C'est pour lui dire, une femme s'en est allée, une houe en moins. Et en partant, elle passe du monde des ancêtres, des vivants au monde des ancêtres. On lui remet son instrument pour qu'elle puisse intercéder pour le peuple qui est resté, auprès des ancêtres, des dieux, pour que les dieux donnent une bonne récolte au village. Okay. Là, ce sont des instruments de danse, portés par des femmes, pour danser. Vous avez vu pour les hommes ont mis pour eux, les femmes, ça c'est elles-mêmes. Ici, c'est le couteau de l'architecte en pays Bamileke. Actuellement, il est utilisé uniquement par les fabricants de bambou. Je vous ai dit tout à l'heure que la base de l'architecture était faite en bambou. Donc quand un papa trouvait son fils déjà assez grand, majeur, il lui remettait cet instrument. Quand on te remettait ce instrument, c'est pour dire, je suis déjà grand, tu vas sortir la maison des parents, tu vas faire le chez-toi, tu t'habilles. Là, c'est pour la vigne, pour chercher le cueillir le vin de raffia. Et ici, ce sont des couteaux du boucher, ou bien des cuisines. Là, c'est pour égorger la viande, et celui-ci, c'est pour dépecer. Là, c'est un arrache-clou. Ici, vous avez le minerai de fer, à l'état brut. Ce sont les... Je peux toucher. Ouais. C'est français, hein. Là, c'est le fer à l'état brut. Et on le fond, on le fond. On le fond ici, voici le soufflet. Pour fondre le fer. Là, c'est le soufflet qui sert à fondre le fer. Là, c'est le foyer. Ici, c'est là où celui qui attise le feu se place. Il va pomper. On met le minerai là-bas. Il y a d'autres personnes, là c'est la scène de la forge. Une personne qui fait le feu, qui souffle, qui utilise le soufflet. Là, le minerai est au feu. Quand c'est déjà assez rouge, il y a des gens qui prennent, ils donnent la forme de l'objet. Et quand l'objet a déjà la forme, un dernier va faire l'étape de polissage. Quand on a fini avec le polissage, on le met à l'utilisation. Avant qu'on ait les grandes industries, c'est comme ça qu'on utilisait. Ouais. Et aujourd'hui, si vous pouvez toujours, si vous voulez voir le forgeron travailler, il faut aller à casser. Parce qu'il y a un forgeron au village qui continue à travailler. Non, il n'utilise plus le minerai, mais il utilise les débris de fer. Parce qu'il est seul. Il travaille uniquement avec sa femme et ses enfants. Il ne parle même pas de minerai, parce qu'il ne parle même pas. Là, ce sont les outils. Ici, c'est la hache qui servait à abattre les arbres. Là, ce sont les outils du bûcheron, ça et ça. Et là, ce sont les outils du planteur. Ça, c'est le grand modèle de la petite houe que je vous ai montré tout à l'heure, là. Ça, c'est utilisé pour les reines et les princesses. Là-bas, c'est pour les simples femmes du peuple. Cet instrument est utilisé à l'ouest Cameroun pour nettoyer le bananier. Dans le centre, sud, est, c'est pour cueillir le cacao. Et là, on a fait une représentation d'un guerrier, d'un ancien soldat à l'époque. Ici, c'est la cour des tradis praticiens. Les tradis praticiens ont joué un rôle important et continuent à jouer un rôle parce qu'ils ont trois fonctions pour le village. Protéger le village contre les mauvais esprits, traiter la population et protéger l'environnement. Comment font-ils pour protéger le village contre les mauvais esprits? Ils vont juste passer le temps à prier et à faire des incantations pour que les dieux protègent le village et qu'il n'y ait pas de malheur sur le village. Traiter la population en quoi faisant? Pour traiter la population, il faut qu'ils cherchent des plantes et des herbes médicinales. Avant qu'on ait la médecine occidentale, la chefferie ou bien le royaume, suivre que c'est un royaume. Le royaume est tout un peuple, avec tout un gouvernement, avec toutes les fonctions d'un État aujourd'hui. Parce que l'État est basé sur la structure traditionnelle.
Ici, c'est un peu le laboratoire. C'est un peu comme le laboratoire de recherche. Ils vont s'associer, ils cherchent les herbes et les plantes qui, les unes associées aux autres, permettent de traiter les maladies. Et quand on traite les maladies, on n'utilise plus les écorces d'arbres. Parce qu'en utilisant les écorces d'arbres régulièrement, on sait que les meilleurs médicaments traditionnels sont les écorces d'arbres. Quand on les utilise, à force de déshabiller un arbre, c'est une espèce qui va disparaître. Parce que quand celui-ci va sécher, on va s'y son frère. Et ainsi de suite. Donc, chercher une solution alternative. Traiter la population, il ne faut pas que la population meure parce qu'on ne peut pas utiliser les écorces. Et il ne faut pas que les écorces restent là et non, il faut chercher ce qu'il faut faire, le juste milieu. Et ils le font. Non, ils font d'une pierre deux coups. Ils trouvent les plantes, ils associent aux autres. Voilà leurs pierres avec lesquelles ils mélangent. Là, c'est leur magasin. Et ils s'assemblent. Là, ce sont des échantillons de médicaments. Pour pouvoir traiter. D'accord. Cette cour est appelée la cour de l'entre deux règnes. Entre le règne de l'ancien roi et le règne du nouveau roi. Ça, c'est la phase intermédiaire qui est la partie du lacam, qui dure minimum 9 semaines. Pourquoi 9 semaines? 9 semaines, c'est la durée qu'un enfant met dans le ventre pour pouvoir naître. La condition que le chef a pour sortir de cette cour, c'est de donner naissance à deux enfants de sexe différent, une fille et un garçon. Pendant cette période, la vie s'arrête au village. On ne fait rien. On ne cultive pas, on ne fait aucune cérémonie traditionnelle. Je vous expliquais là-bas que les Bamiléki ne peuvent pas vivre sans leur culture. 9 mois. Ouais. 9 mois. On ne cultive pas, on ne fait pas de chant, on ne fait pas d'aucune cérémonie. Si quelqu'un meurt, on ne pleure pas, on va juste l'enterrer, pas de funérailles, rien. Pendant ce temps, le chef aussi a un sacrifice qu'il doit faire. Il dort à même le sol sur les feuilles de bananier dans une maison construite en matériaux provisoires. Pourquoi cela? C'est pour l'apprendre, l'initier à l'humilité. On dit, quand tu vas être roi, tu ne seras pas le roi uniquement des riches. Tu seras le roi des riches et des pauvres. Et il faut que tu apprennes à vivre comme les pauvres. Parce que dans ton royaume, il y a des gens qui sont nés pauvres, qui vont grandir pauvres et mourir pauvres. Il faut que tu puisses comprendre leurs problèmes, que tu ne comprennes pas seulement les riches. C'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Alors là. Et pendant qu'il est là, il n'a pas le droit de rencontrer les personnes qu'il aime, à commencer par sa mère. Donc le jour qu'on arrête le chef, sa mère part de la chefferie. C'est pour éviter qu'elle influence sur l'entraînement et qu'elle influence les décisions de son fils. On sait que l'enfant, quel que soit son âge, quand maman parle, il se soumet. Même s'il s'entête un tout petit peu, après il va se revenir que maman a dit ceci, il écoute. Donc c'est pour qu'elle, elle va l'aider à gérer, mais plus sur place. Quand il a un problème, il va aller vers elle, lui demander, maman, qu'est-ce que je peux, mais qu'elle ne soit pas sur place pour le nuire. Ses meilleurs amis, si tu vas venir, si tu peux, il a le droit de rencontrer, d'avoir des visites. Mais que ces visites soient instructives et que ça aille dans le même sens avec lequel de ce qu'il est en train de faire ici. Quand il est là, il ne doit pas s'asseoir sur quelque chose qu'il voit. Il s'assoit sur un tabouret masqué comme celui-ci. Pour qu'il ne dise pas que même si je n'ai pas réussi à devenir roi, parce que les étapes de l'initiation sont assez longues, si je n'ai pas réussi les étapes de l'initiation, je suis quand même assis sur le tabouret du trône. Ce tabouret du trône, ce n'est pas les gros trucs, c'est un petit tabouret rond. On le couvre comme ça. Quand il va être roi, c'est là qu'on va enlever et qu'il pourra voir sur quoi est-ce qu'il s'est assis. Là, on a ce bonhomme à deux visages qui symbolise l'incertitude. Pendant que le roi est ici, le futur roi, parce qu'il n'est pas encore roi, pendant qu'il est ici, on dispose de bonhomme du côté de la femme. Parce que il y a un côté c'est la femme, de l'autre côté c'est l'homme. On n'est pas sûr, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il n'a pas réussi. Il y a un point d'interrogation qui plane. Et pendant que le point d'interrogation plane, tous les jours, les femmes du village sont dans la grande cour là, à pleurer, à crier. On a faim, on a soif. Il faut que tu nous libères parce que nous sommes emprisonnés, on ne peut plus vivre à cause de toi. Deuxième signification de cet objet. Pourquoi est-ce qu'il y a un homme et une femme? Pour pouvoir faire un enfant, on a besoin d'un homme et d'une femme. Pour pouvoir nourrir un peuple, il faut les deux. L'homme qui va chercher le bois, qui va chercher l'eau, et la femme qui va faire le repas. La troisième, la quatrième situation, quand vous voyez dans cette posture, c'est l'homme qui est devant. C'est pour dire, le roi actuel a réussi l'étape qu'on lui demandait. Là, c'est le roi qui est en train de servir son peuple, avec la calebasse renversée.
La calebasse renversée symbolise le service. Parce que quand ça, tout ce qui entre ne doit pas rester pour lui, ça ressort. Il donne à son peuple, la population prend. Et la dernière chose, la calebasse renversée, ça symbolise le symbole de la fertilité du roi. Il a été capable de nous faire des enfants qui vont non seulement être des garçons, qui vont être des héritiers ici et développer le village. Les filles qui vont aller se marier ailleurs et donner des futurs rois dans d'autres royaumes. Le jour qu'on annonce la naissance de l'enfant qu'on attendait, quand il est là, il n'a pas le droit de franchir cette porte ici. Et sa maison est construite quelque part derrière, la maison provisoire, en matériaux provisoires. Les notables vont venir ouvrir cette porte ici, qui est dans le mur. On va le faire traverser, on l'amène ici, on lave, on l'habille, et pendant ce temps, on relève le mur. Dans ce mur, cette porte ne s'ouvre qu'une fois par règne. On relève le mur et on le conduit au palais, on commence à l'appeler sa majesté. Le palais est une maison de 9 portes. C'est un autre labyrinthe là-bas à l'intérieur. Quand on le conduit là-bas, il n'est pas directement sorti, il peut pas encore assumer toutes ses fonctions de roi. Le peuple n'est pas encore libéré. Quand il entre là, il va passer 9 nuits avec le conseil des 9 notables. 9 portes, 9 nuits, 9 notables. C'est sa toute première maison qu'on lui donne en tant que roi. Quand il sort de là, c'est après cette sortie qu'on va faire la grande cérémonie de la sortie officielle du chef. On dit le roi est mort, vive le roi. C'est après ça qu'on peut dire cela. Là, le peuple est libéré. Pourquoi le chiffre 9? Le chiffre 9 représente les 9 ouvertures que chaque être humain a sur lui. C'est pour ça que tous les hommes sont égaux. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta culture, quel que soit ton degré de richesse, tous sont égaux. Parce que personne n'a 8, personne n'a 7. Ou bien personne n'a 10 ouvertures sur lui. Quand il finit là, on libère, le peuple devient indépendant. On peut reprendre tout ce qu'on avait arrêté. Mais lui, il vient de naître. Il doit grandir, mûrir, se marier. Il a des femmes, mais il n'est pas marié. Se marier, c'est quoi? C'est d'être capable de doter une femme comme tous les hommes à Batoufam. Et pour le faire, il faut que sa première fille qui est née là-bas, pendant la phase du Lakam, soit majeure. Ou qu'elle ait, elle a un mariage. Donc c'est une durée minimale de 15 ans, 15 à 17 ans. Pendant cette période, il est sous l'emprise des notables. Ce sont les notables qui dirigent un peu à derrière. Parce que quand il veut faire quelque chose, il faut qu'il demande leur permission. S'ils disent oui, il fait. S'ils disent non, il ne fait pas. Donc quand l'enfant, cet enfant devient majeur, elle va faire un ensemble de rituels avec son père. Quand il finit ses rituels, il va doter la femme qu'il peut doter, qu'il doit doter. Il peut prendre parmi celles qu'il a déjà à la maison, comme il peut prendre une autre dehors. Il la dote. Après la dot, maintenant, il va exécuter 3 danses. Il faut filmer au tableau là, avec les différentes danses. Quand il exécute les danses, là, avec la dernière qui est la danse libératrice, le Dou. C'est celle-là qui exécute. Quand il exécute la danse du Dou, il va adhérer à une société secrète qui porte cette tenue-ci. C'est là qu'il devient indépendant. Et dans cette société secrète, il n'est pas patron, il est un simple adhérent. C'est là qu'il porte cette tenue. Et il devient indépendant, c'est-à-dire c'est en ce moment-là qu'il peut ne plus écouter les décisions des 9 notables. Oui, mais à force d'avoir travaillé avec eux. On l'inculque déjà quelque chose dans la tête qui reste. Qui reste, il va toujours être en train de leur faire part de ses décisions. Mais il n'est plus obligé de dire, si je veux partir à Cap Chez, leur demander la permission, est-ce que je peux partir à Cap Chez ou bien je ne peux pas partir à Cap Chez. S'il veut voyager, il n'est plus obligé de demander la permission, est-ce que je peux voyager ou pas. Alors que pendant la période où il attend cette maturité, il leur demande la permission pour faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est la porte type. Ici, ça, c'est un masque qui représente la première reine, la princesse Lou, qui a osé défier son père, pour pouvoir suivre l'homme qu'elle aimait. Et voici l'exemple type de toutes les portes de Batoufam à l'époque du premier roi. Toutes les portes avaient cette taille, avec une marche. Vous voyez que si tu venais en guerre contre les Batoufam, tu étais obligé, premièrement, tu te retrouves directement en position de faiblesse. Parce que quand tu arrives, il y a une porte qui est fermée, la porte, elle n'est pas assez haute et il y a une marche. Le temps de te courber, de prendre appui sur la marche, celui qui est à l'intérieur a déjà fini avec ça. Comme il n'y a plus de guerre, révérence obligatoire. Parce que c'est le propriétaire de la maison
qui a le dessus. Toi, tu es obligé de te prosterner pour pouvoir rentrer chez lui. Explication. Ce couloir est appelé couloir de femme. Là, c'est un magasin. Le chef en a plusieurs magasins comme ça où sont partis les denrées alimentaires. La chefferie vit dedans. Quand on arrive, les gens vont apporter les dons à la chefferie. On va parquer là. Quand la femme va, l'heure de chaque femme va préparer à tout droit parce qu'elles ont leur cuisine et le chef a ses cuisines, sa cuisine. Quand c'est ton tour de préparer, il suffit qu'il demande si ce qu'il demande est dans le magasin. On va prendre, tu viens juste à la cuisine avec tout, il a tout son nécessaire. On va juste te préparer et tu sais. Ici, c'est la dernière porte du palais, la 9e porte. À terre, vous avez des offrandes, vous avez du sel. Ce sont des offrandes que le roi doit faire à ses ancêtres pour que le pont ne se rompe pas entre les ancêtres et eux. Et les offrandes, c'est quoi? Le sel symbolise la purification. Et quand ce qu'on a donné aux ancêtres, aux gens qu'on trouve, aux personnes à qui on est vraiment attaché, c'est le meilleur, c'est qu'on a de meilleur. Et le meilleur, c'est le sel. Et il doit faire un foyer là-bas dedans tous les jours dans cette maison. Et quand il est en voyage, il y a des gens, il a, c'est pour ça qu'il a des serviteurs. Quand il est en voyage, les serviteurs vont s'en occuper. Il fait le foyer tous les jours pour réchauffer l'âme des ancêtres. Lorsqu'il sort le 9e jour de l'an, on va lui donner un ensemble de maisons. Je vous ai dit, c'est sa première maison. Mais après cette maison, il y a d'autres maisons qui sont appelées les cases de refuge du roi. Il en a plusieurs. Il y a une, celle qui est en face du palais là-bas. C'est l'une de ces cases de refuge. Il y a d'autres ici. Il y a sa préférée que tout le monde connaît. Parce que quand vous arrivez, c'est là que vous allez le trouver. En journée, on sait où on peut trouver le chef, mais la nuit, on ne sait pas là où il dort. Bon, voici un exemple. Voici sa préférée, l'une des cases de refuge du roi. Mm-hmm. Voilà. Et là, ce sont ses cuisines. Les cuisines du roi et non de... Des femmes. D'accord. Parce que toutes les femmes ont le droit de venir préparer ici. Alors dans la cuisine des femmes, ce n'est pas tout le monde qui peut venir préparer dans la cuisine d'une autre. Et avant, quand le repas du roi, pour qu'il atteigne sa table, il devait traverser minimum 7 portes. Pendant les guerres, c'était pour éviter qu'on empoisonne le roi. Devant chaque porte, il y avait un goûteur. Et le goûteur avait ses goûteurs avec des contre-poisons. De toute façon, on ne pouvait pas être en train de tuer tous les hommes du village parce que les femmes vont préparer et empoisonner. Donc, quand on prépare, dès qu'on goûte cette nourriture empoisonnée, on va simplement t'éliminer parce que toi, tu voulais éliminer le roi. Après les guerres, certains rois ont gardé ça par prestige. D'autres, c'était par prestige. D'autres, c'était pour apprendre aux femmes qui partent de chez leurs parents. Beaucoup partaient de très tôt, 12, 13 ans, pour venir à la chefferie, être les femmes du roi. Il fallait leur apprendre à cuisiner. Et il faut qu'en venant te présenter devant ton mari, que ton repas soit impeccable, irréprochable, et que toi-même, ta présentation physique, soit irréprochable. C'est pour apprendre la propreté, premièrement la propreté aux femmes, et de deux, les apprendre à cuisiner. Le roi a son boucher. S'il veut manger la viande de chèvre, il ne va pas l'acheter la chèvre au marché. Ce n'est pas tout le monde qui touche sa chèvre. Le boucher va tuer, dépecer, et remettre juste nettoyer, et remettre à la femme qui doit préparer. Pareil pour le porc et autres. Cette cour est la cour des cases d'hôtes qui, avant d'être toutes les cases d'hôtes, a servi à plusieurs choses. Avant. C'était les dortoirs des filles à une époque. C'était les dortoirs des femmes parce que les femmes ont leur maison en haut. Mais quand elles étaient nombreuses, avant de venir, elles étaient nombreuses, on repartait par semaine. Donc chacune d'elles avait sa chambre où, si c'est d'or, c'est cette semaine, c'est telle. Elles ont leur chambre, elles viennent, elles préparent, c'est parmi elles qu'il va choisir une pour dormir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque particulier à venir comme ça, quelqu'un qui n'est pas initié de venir dormir dans une chambre d'hôte, dans une chefferie comme celle-ci? Non, il n'y a pas de risque. Les princes, les filles ont le droit de dormir dans la chefferie avec leur père. Mais les princes savent qu'eux, ils ne doivent pas dormir à la chefferie. Pour la simple raison que la chefferie appartient, il y a un seul coq dans un poulailler. Donc, il y a une seule personne qui va être choisie pour être roi. C'est celui-là seul qui a le droit de dormir à la chefferie. Tous les autres,
n'ont pas place à chaufferie. Et maintenant, après des années, ces maisons, ce rituel a été abandonné. Et les maisons ont été délaissées. Il les a restaurées et c'est là qu'il a transformé en case double avec l'ouverture de la case patrimoniale. Pas seulement avec l'ouverture, parce qu'avant l'ouverture de la case patrimoniale, il recevait beaucoup. Et des gens venaient, on passe la journée avec lui, ils vont aller dormir à Bafoussam, revenir le lendemain, ça coûtait cher. Et ils lui ont proposé, pourquoi tu n'aménages pas ces maisons qui ne servent à rien pour voir, pour qu'on puisse rester avec toi, bien pour qu'on puisse vivre, partager ce que c'est que ce mythe de la chefferie avec toi. Vous allez voir que sur les murs, on a fait une représentation des 10 brevets, des 10 différentes régions du Cameroun. Ici, c'est la forêt, le sud. Là, c'est le littoral avec ses armoiries. Là-bas, au milieu, juste après, vous avez le Grand Nord. Après le Grand Nord, vous avez le Nord-Ouest parce qu'on mélange toujours l'Ouest. Alors que dans l'Ouest, il y a des spécificités. Il y a le Grand Ouest qui représente les peuples anglophones et les peuples francophones. Donc, ils ont leur tenue, leur culture à eux. C'est un peu similaire, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a séparé, on a représenté l'Ouest et la région anglophone. Et maintenant, on peut voir. Là, ce sont des cartes. On peut allumer. Oui. La lumière n'est pas bon. Non, ça va. Ici, c'est une suite. Le salon, la chambre, la douche. Je vois cette histoire. Incroyable. Et tu t'es fait en matériau. En bambou, on valorise le matériau, ce qu'on a sur place. On valorise le bambou, le matériau local. Thank you.